Christ est ressuscité. C'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui. Réjouissons-nous. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous aime. Le Fils de Dieu est vivant. Il nous accompagne sur la route. Il vient pour nous sauver. Vous qui l'aimez, réjouissez-vous. Christ est ressuscité. Alléluia. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants, ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers qui est puissant comme toi, c'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie. Nous prions. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Donne-nous le courage et l'assurance aujourd'hui dont nous avons tant besoin
pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. À tous ceux qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste. Dieu nous considère comme justes à cause de notre foi. Toi qui marches dans la confiance, aujourd'hui je te le dis, tu es ami de Dieu. Amen. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, ta parole est pour tous les hommes semence de vie, ferment du royaume et germe d'espérance. Dispose nos cœurs et nos esprits pour que nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que ta parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons le récit de la résurrection dans l'Évangile de Jean. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau,
aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Dans l'évangile de Jean, ce ne sont pas des femmes, mais une femme seule qui va au tombeau. Pourquoi y va-t-elle? Nous ne le savons pas. Il n'est pas question ici d'aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Tout au plus, pouvons-nous dire que la démarche de Marie-Madeleine est inacceptable pour l'époque. Une femme ne pouvait sortir seule, hors de la ville, qui plus est, alors qu'il fait encore nuit. Oui, il fait encore nuit. Chez Jean, nous ne sommes pas de bon matin. C'est que Marie-Madeleine vit encore dans la ténèbre. La bonne nouvelle de ce matin de Pâques n'illumine pas encore sa vie. Tout dans cette histoire est lesté du poids de la symbolique, ce qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres vies, nos propres expériences, qui peuvent se nourrir de celles et de ceux qui nous ont précédés. Ce récit nous montre bien qu'il y a mille et une façons pour que le matin de Pâques se lève sur nos vies et que la ténèbre du doute ou de l'incrédulité se dissipe. C'est le personnage de Marie-Madeleine qui va surtout retenir notre attention, mais le récit de la course des deux disciples, dans le récit plus large des événements de ce matin-là, illustre que chacune, chacun, suit son propre cheminement. Il n'y a pas une seule façon d'appréhender le mystère de Pâques. Pour les uns, comme pour le disciple que Jésus aimait, il leur suffit de voir le tombeau vide pour croire. Il entra aussi, il vit et il crut, dit le texte. Comme on aimerait que notre rencontre avec le ressuscité soit aussi simple que cela. D'autres osent un geste fou comme Pierre, qui, arrivant au pas de course, entre le premier dans le tombeau vide. Comme Pierre, certains voient et retournent chez eux. Mais ce retour n'est pas la fin de leur histoire avec Dieu, car Pierre, au jour de Pentecôte,
sera celui qui, à nouveau, osera l'inimaginable, sortir dans la ville et témoigner de sa foi. Pierre a eu besoin de plus de temps. Le matin de Pâques n'a pas été une évidence pour lui. Il a été un point de départ, un de ces moments qui réorientent la vie, qui nous donnent la force de sortir d'une situation qui, jusque-là, nous empêche de vivre et qui nous enracine dans la confiance en Dieu. Les évangélistes ont eu la tâche difficile de mettre des mots sur l'inénarrable. Comment raconter la résurrection? Comment raconter que ses disciples, hommes et femmes, qui ont vu leur maître crucifié, enterré, ont été convaincus que tout ne s'arrêtait pas là, mais que l'amour de Dieu pour elles, pour eux, pour le monde, débordait de cette croix, débordait de ce tombeau, pour rejoindre chaque être humain dans ses joies et dans ses peines. Jean ouvre des pistes en nous partageant succinctement l'expérience de deux des disciples, sans trop entrer dans les détails. Il fait bien car la rencontre avec Dieu se fait toujours dans notre intimité avec lui. S'il s'attarde de plus sur Marie-Madeleine, c'est surtout pour nous renvoyer à notre propre cheminement. Au départ, Marie-Madeleine a cru à une mauvaise plaisanterie. Quelqu'un aurait volé le corps de son ami et maître. Non seulement cet innocent est mort dans d'atroces souffrances, mais en plus son cadavre est dérobé. Il ne lui reste plus que ses pleurs. Le tombeau vide, qui devrait être le lieu de la bonne nouvelle de la présence et non de l'absence de Dieu, est d'abord pour Marie-Madeleine le lieu du chagrin et le lieu de l'incompréhension. Voilà qui peut nous rassurer. Tout n'est pas évidence dans notre relation à Dieu. Toute l'expérience de Marie-Madeleine est faite pour nous rassurer et nous inviter à la confiance malgré nos doutes. Dieu ne pose pas le tombeau vide comme une énigme qu'il nous faudrait résoudre seul, ce qui prouverait que nous avons assez de foi pour être dignes de son amour. Si le tombeau vide ne suffit pas, alors Dieu se met en quatre pour venir jusqu'à nous. Les anges ne suffisent pas non plus à Marie-Madeleine, qu'à cela ne tienne. Dieu vient autrement, quitte à se faire prendre pour le jardinier. Il vient et, fidèle à lui-même, il questionne. Comme dans un autre jardin, dans le livre de la Genèse, où il demande à Adam qui se cache « Où es-tu ? Qu'as-tu fait ?» À Marie-Madeleine, il pose aussi deux questions. La première, « Pourquoi pleures-tu ? » Comme une invitation à dire sa peine, son chagrin, dire ce qui ronge, ce qui empêche de vivre. Cependant, cette première question nous dit aussi que Dieu prend au sérieux nos tristesses, tout comme nos joies. Lui qui a pleuré devant le tombeau de Lazare, il sait que l'humain n'est pas un être insensible, sans état d'âme. Et la seconde question est des plus belles. Qui cherches-tu? Il y a là déjà en germe une invitation à aller au-delà de sa peine, vers l'inimaginable, comme une porte qui s'ouvre vers un demain autre. Le pseudo-jardinier ne demande pas « Que cherches-tu ?» parce que c'est bien un corps que cherche Marie-Madeleine et non une personne. Par cette seconde question, Dieu ouvre à Marie-Madeleine la possibilité d'un déplacement. Il ouvre un espace plus grand, un espace où la vie peut à nouveau se déployer. Tout est affaire de posture et de parole. Le dialogue avec les anges n'a pas été vain. En formulant la cause de son chagrin, Marie-Madeleine se décentre de ses pleurs. Elle ne peut leur répondre prostrée et sanglotante. Il lui faut se relever, faire plus ou moins bonne figure. Elle leur dit sa peine.
ce qui lui donne aussi l'occasion d'un premier retournement. Elle fait face alors au jardinier qui n'en est pas un. Mais surtout, ce premier retournement lui fait tourner le dos au tombeau, qui est pour elle, à cette heure, ce qui l'empêche de vivre et d'entendre la parole de Dieu. Une fois ce retournement fait, le ressuscité peut prendre l'initiative de la parole. Marie-Madeleine est en mesure de l'écouter. Vous l'avez peut-être remarqué, ce n'est pas par un geste ou un miracle que se fait la reconnaissance, mais une parole. Et pas une parole qui se déploie dans un long discours, pas de morale, pas d'argumentation, d'explication. Une parole toute simple. Marie. Marie-Madeleine est reconnue dans sa véritable identité, dans ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. C'est elle, personnellement, avec ses peines, ses doutes, ses espérances, que le ressuscité rejoint. Nous pouvons imaginer des pleurs de joie dans ce jardin à présent, même si le texte ne le dit pas précisément. Marie pleure encore, non plus prostrée, mais prosternée devant son Seigneur, qu'elle retrouve autrement. Mais Marie-Madeleine n'est pas faite pour pleurer dans ce jardin, pas plus qu'elle n'est faite pour rester prosternée en contemplation devant cette bonne nouvelle qui illumine désormais sa vie et sa personne, comme le jour qui a bien dû finir par se lever. La ténèbre n'est plus, un nouveau jour s'est levé. Jour de grande joie finalement, le tombeau vide devient bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Tout ne s'arrête pas là pour Marie-Madeleine. Le ressuscité l'envoie être témoin de cette découverte, de cette expérience. Va vers mes frères et dis-leur. À elle désormais de trouver les mots pour que d'autres aussi entendent leur Seigneur et Sauveur les appeler par leur prénom. Un simple mot, un simple nom qui dit tout l'amour et l'importance que Dieu, notre Père, nous porte. Je crois en Dieu le Père. Je crois qu'il a créé le monde pour l'homme. Je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Dieu et notre Père, en ce jour, tu nous donnes de nous réjouir en célébrant la victoire de ton Fils
notre Seigneur Jésus-Christ, sur les puissances de mort et de destruction à l'œuvre en nous, parmi nous et dans le monde. Désormais, nous pouvons aller de l'avant en homme et en femme libre. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour cette assurance qui transfigure notre existence. Aussi, nous te prions pour tous ceux que la mort enserre en ses liens. Les mourants, les endeuillés, ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, ceux qui ne peuvent pas se réjouir parce que l'espérance ou tout simplement l'espoir les a quittés, pour tous ceux qui, de quelque manière, sont captifs, pour ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes, de leur orgueil, de leur haine, de leur peur. Tu nous as fait témoin de la résurrection de ton Fils. Donne-nous force, courage et conviction pour annoncer et pour manifester par nos actes que la vie qui nous vient de toi est plus forte que la mort. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Cette bonne nouvelle nous accompagne et nous fait vivre. Le Christ est ressuscité. Il est avec vous et avec les vôtres tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Dieu vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix, fraternelle et rayonnant. Allez, dans la joie du Christ ressuscité. Thank you.